non, 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 pas du tout. C'est déjà être nominé dans les 5 premiers. C'est déjà une grosse surprise. On pensait que c'était une erreur au début. On a mis une semaine à réaliser. J'ai envoyé un message à la formatrice, je lui ai demandé si c'était une blague, une erreur. Partir en vacances. Partir en vacances aussi. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant infirmier, on est obligé de travailler le week-end. Bon, il y a de l'argent, on prend des vacations dans les maisons de retraite ou les hôpitaux. Et c'est vrai qu'une telle somme, ça nous permet de mettre de côté, partir en vacances et de ne pas travailler pendant quelques mois pour se concentrer sur la révision qui arrive. On a un petit peu lutté pour finaliser notre projet et finalement voir qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutient comme ça et de nous dire bah c'est bien parce que des étudiants s'investissent autant, ça fait vraiment chaud au cœur. On a comme projet de partir l'année prochaine au Sénégal en stage à l'étranger. Donc l'argent va aller dans ce projet-là. Voilà, et puis après le reste, du coup on soutient une association, Valentin Huy, pour maintenir l'autonomie des déficients visuels. Donc l'idée de base part de ce partenariat avec un grand sportif, Sébastien Lemot, qui nous a demandé son aide pour participer au championnat du monde de pirogue. Et puis de fil en aiguille, du coup, on a développé ce projet pour leur amener un soutien. Et donc du coup, là, ils vont être très contents. Thank you.